Hello les amis, on est reparti pour la suite de notre aventure. Direction le château de Cédeslan. Chevalier Cantavo, voilà, tout le monde va être soulagé de votre retour. Merci, j'apprécie. Alors, aucun des bâtiments n'est ouvert, donc pas la peine de me le dire. Alors, d'abord, vous êtes là, bien en route pour la reine. Un instant, gardien des clés. Qu'y a-t-il? Pouvez-vous me laisser aller voir la princesse de ces lieux au château? Je suis son chevalier protecteur. C'est important pour moi, cela s'y va bien. D'accord, me pèse vite. Merci. Ok, il a accepté qu'on aille voir la princesse. Bon, allons-y. On va aller voir comment se porte notre princesse. Même si Quentin n'est pas au courant qu'elle est morte. Le château! Princesse Mirabelle! Léon! Ah, vous êtes au revoir revenu, monsieur Quentin. Quel soulagement! Ah, chevalier Quentin, le château a été détruit durant votre absence. Oui, je sais. Wow. Quelle pagaille! Bonjour monsieur Quentin. Oh la princesse. Oh. Wow. Wow. Wow wow. La salle du trône est dans un état pas croyable. Oh chevalier Quentin, c'est une vraie tragédie pour le royaume. Comment ça? Allez dans le jardin et vous verrez par vous-même. Très bien, je reviens. Alors, le jardin royal, il est par ici. Te voilà enfin de retour. Où est la princesse? Ne crie pas, voyons. On est dans le jardin royal. Ici, c'est dans l'endroit du repos des morts. Excuse-moi. Inscris l'inscription sur la tombe. Tu auras ta réponse. Vas-y. Oui. Pendant l'inscription sur la tombe royale à ses pieds. Au nom du royaume de ces saintes princesses Mirabelle, reposez en paix. Quoi? La princesse est morte? Oui, il était trop tard pour la sauver. Elle a fini par devenir un monstre. Et tu as vu aussi comment mon château était en ruine. Oh, princesse, pardonne-moi pour arriver à temps pour vous sauver. Si ça vous dérange pas, je vais parler avec Quentin seul à seul avec quelques minutes au sous-sol. D'accord, mais faites vite. Entendu. Pauvre petite princesse, mourir à cet âge? Oui, c'est vraiment triste. Maman! J'ai comme un mauvais pressentiment concernant la discussion de cousin Quentin et Léon. Et allons les voir où ils sont. Et n'oubliez pas que Lucas nous attend vite. Oui, oui, allons au sous-sol du château. C'est vrai, il faut pas perdre trop de temps non plus. Oui. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que Camillien se méfie de la discussion entre Quentin et Léon. Pourtant, ils s'entendent super bien. Mais on ne sait jamais. Tout événement peut arriver. Alors... Oh, vous avez fini de parler? Wow! Ouille! Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend? La colère! Je sens la colère autour d'eux. Il doit penser que le mort de la princesse, c'est notre faute. Quoi? Alors on doit vite les raisonner. Quoi? Mais sérieux? Camillien, Simon, Yuki et Yunin doivent faire le combat. Quoi? Oh non! Je vais devoir les affronter! Oh la vache! Camillien... Ah, Simon... Et Yuki. Alors Yuki, il est... C'est parti. Je dois les affronter tous les deux? Oh non! Tout est votre faute! Je regrette d'avoir été votre ami durant tout ce temps! Au nom de la princesse, nous allons... vous tuer, mettre fin à ces morts et ces gens morts à cause de vous. Ah ouais, ils pensent vraiment que c'est vraiment notre faute. Ouah! Rage de loyauté, ça met immédiatement KO. Ouah! Oh purée, ils ont déjà mis deux de nos équipiers KO là. Mais ils sont dingues. On se calme là. Ouah!
Ils sont complètement cinglés. Ouf. Là, j'ai eu chaud. Bon. Ah ouais, ils pensent vraiment que c'est notre faute. Là, ils sont vraiment en colère. Ils baissent notre agilité. Très bien. Si c'est toi qui cherches, tu le retournes à la bagarre. On va réanimer Yuki. Ce n'est pas notre faute, c'est ce démon qui... que vous devez combattre, pas nous. Tais-toi. Wow, il est vraiment en colère. Je refuse de me... Quand tu refuses de me tuer, maintenant tu oses m'attaquer. Tu t'es déterminé à sauver la terre. La ferme. Wow, il est vraiment en colère. On passe aux choses sérieuses. Camillien prend un garçon de la lumière et prière de l'ange. Camillien, je vous sauverai. Wow. Là, il était vraiment en colère. Ils ont perdu la raison, c'est possible. Oh là là. On va ramener quelqu'un d'autre à la vie. Bref, moi je le jeté, c'est puissant. Ok, ensuite, flèche de soin. Ah non, c'est quoi cette technique qu'il a appris? Garçon de lumière. Un cercle de lumière qui touche ses mines d'une puissance d'un ange. Waouh, bon bah on va l'essayer. Je vais lui utiliser roche. Qu'est-ce que je peux utiliser? Ah oui, furie. Allez, go. Battu. Boum. Touché. Ah, on continue. Ensuite, il a pris prière de l'ange. Ouais, les PVPM pendant 10 tours. Ok. Mais je vais pas l'utiliser pour l'instant. Hop. On va encore utiliser Fury. Attention, ça va faire mal. Il est résistant. C'est Quentin le plus résistant en fait. Alors, contrairement à Léon. Yeah, gagné. Waouh, on a gagné plein de trucs. Une potion masse, une sacrée, une armure de chevalier, une attaque plus. Et encore une triprine trouvée. Il y a un émo de chevalier trouvé. Yuki niveau 26, Sora 27, Elise, Sabrina 17, Holo 27, Ethan 17. Yeah. Oh, ils sont plus forts. Comment on peut les arrêter? Vous m'ennuyez. Finissons-en. Non. Wow, le gardien des clés nous a eu. Rattrapons-les. Wow, maintenant ils sont nos ennemis, c'est dingue. Ouf, je vois que vos amis ont perdu l'esprit. Il y a un moyen de les sortir de leur colère. Ça, j'en sais rien. Ils n'ont pas l'air maléfique comme les autres victimes d'ailleurs. Non, c'est vous? Hein? Oh non, rien. Vous me rappelez quelqu'un. C'est un enfant très gentil que j'entraînais avant de devenir gardien des clés. Mais est-ce qu'il t'observerait? Il y a de même malheur? Je viens de dire que je ne sais pas. Enfin. On verra après. Entrez, gagnez 6 combats. Premier combat et le courage. C'est la pièce du milieu. Bonne chance. Merci, gardien des clés. Entrons vite avant que Léon et Quentin nous retrouvent. Ouais, mais ils risquent de nous rattraper. Nous voici donc à la reine couronne, les amis. Ah ah. Donc là, dans les prochains épisodes, il y aura de la baston. De la baston et encore plus de baston. Bref. Vous avez bien fait de venir jusqu'ici. Faites votre choix. Bon, mais avant, je dois vendre des choses qui ne me servent à rien. Par exemple, ceci. Le faucon ne servira plus à rien. Ça, je garde. Ça, j'en ai plus besoin. 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 Ça, je garde. Voilà. Ah ouais. Prenons-en quelques-uns les amis, c'est important.
Voilà. Bonne chance pour vos combats. Merci. Donc on va utiliser ces petits objets pour augmenter tout ce qu'on a besoin. Donc les amis, on va devoir s'arrêter là dans le prochain épisode, on s'attaquera au combat. Donc je vais sauvegarder, donc à gauche je retrouverai la playlist, à droite je retrouverai l'épisode suivant la semaine prochaine. Allez, ce sera tout pour aujourd'hui les amis, ciao, bye bye.